Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul action. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait juste une vidéo haul action exclusive. J'ai acheté quand même pas mal de petites choses qui sont assez intéressantes. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors je prends comme ça vient, hein. J'ai acheté à Action des... Ah, j'ai pas le ticket de caisse. Ah si, j'ai acheté des Milka Oreo. Alors en fait ça c'est une collègue de taf qui m'a dit d'acheter ça. C'est en fait du chocolat blanc avec des petits fondants croquants de Oreo. Et c'est super bon, vraiment c'est trop bon. Alors c'est dans des petits sachets comme ça là, il y en a 10 à l'intérieur. C'est vraiment super bon. Donc vous avez au chocolat blanc et au chocolat noir. Donc ça si vous tombez là-dessus, n'hésitez pas, c'était dans les 1,99€. Ensuite, j'ai pris, rien à voir, hein, des gants de jardinage parce que je n'en ai absolument pas et j'aimerais bien en avoir pour éviter d'abîmer mes ongles, hein, ça serait bien. Donc voilà, c'est pour faire mes plantations parce que là, ça va être la saison pour faire les plantations. Donc on va faire ça dans un vlog très prochainement. On va refaire un petit peu le balcon, etc. Donc ça va être plutôt pas mal, plutôt sympathique à faire. Les gants coûtaient, enfin les gants étaient en promotion, ils coûtaient 99 centimes. Donc vraiment, que dalle, à Truffaut, c'est tellement cher ce genre de choses. C'est genre dans les 6 euros, enfin c'est vraiment trop cher. Ensuite, j'ai pris ce petit calepin note. Donc ça, vous l'avez en plusieurs tailles. Et j'ai pris avec des lignes. C'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment pour tout ce qui est brouillon. Je le vide assez rapidement. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça coûte vraiment pas très cher. 1,39€. Donc voilà, c'est super pratique. Je le fonçais avec des petits carrés à l'intérieur. Moi, je préférais des feuilles blanches. Ensuite, j'ai pris un petit support pour faire les pizzas au four. Je n'en ai pas. Et à chaque fois, ça me manque. Donc ça, c'était 3€ et quelques. C'est pour les pizzas de 32 cm. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris du gros sopalin. Ça, c'est super pratique quand Birdie fait des conneries. Ou Prince d'ailleurs, hein, parce que les deux en ce moment c'est l'apocalypse. Donc c'est super pratique, c'est assez épais, t'as besoin que d'une seule feuille pour ramasser leurs conneries. Donc vraiment ça j'adore. Ensuite je me suis pris des serviettes hygiéniques, j'en mets très rarement, je mets toujours mes culottes menstruelles, mais quand elles sont toutes au lavage c'est un peu galère, donc j'ai repris ça. J'ai pris des pochettes de présentation, ils appellent ça comme ça, des protèges documents. C'est des feuilles comme ceci, je sais pas si vous allez voir. En gros, c'est juste des feuilles plastiques, enfin des feuilles plastiques où tu mets des petits trucs à l'intérieur, genre tu peux mettre ton CV, tu peux mettre tes lettres de motivation, je sais pas, des choses comme ça. Donc j'ai pris ça, ça peut être toujours utile. Et je voulais aussi m'acheter une plastifieuse, donc il y en avait à Action, sauf qu'il n'y avait pas des pochettes plastiques à acheter à l'unité. Donc je les ai pas pris, mais j'avoue qu'une plastifieuse, ça me tente. Je pense en acheter une très prochainement. Donc ça c'était 99 centimes, 95 centimes. Ensuite j'ai trouvé ça, donc j'ai pris toutes les couleurs. C'est des bougies torsadées, vous savez comme ça. Alors j'en ai vu passer vraiment beaucoup. Et à des prix vraiment complètement hallucinants. Donc j'ai pris 3 bougies comme ça en bleu. Je les ai prises aussi en noir, j'ai trouvé assez sympathique en noir. Je les ai prises en verre d'eau, trop jolie. Et ça, c'était pas très cher, hein. C'était 1,59€ les 3 pièces. Alors que de base, vous savez, les bougies comme ça, enfin, c'est super cher. Enfin, je comprends pas. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris du fil de fer. C'est super pratique ça pour le balcon, pour accrocher des choses, notamment mes petites maisons pour les oiseaux et tout. J'aimerais bien les accrocher parce qu'il n'y a aucun oiseau qui vient, j'en peux plus. Pourtant, j'ai assez investi dans de la bonne bouffe en plus pour qu'ils viennent, mais non, pas du tout. Donc j'ai pris ça, c'était pas très cher, c'était moins d'un euro. Ensuite j'ai repris des allume-feu parce que il m'en manque énormément. J'ai pris des lingettes bébé et j'ai pris aussi du papier toilette humide. Donc ça en fait j'aimerais bien l'emporter avec moi, ce genre de choses, pour dans le sac à main ou autre comme ça. Quand, je sais pas, tu vas aux toilettes, au moins t'as ça avec toi. Je préfère ça que leur PQ chelou, là. Birdie, non, il n'y a pas encore tes gourmandises, on se calme. J'ai pris ça. Alors, c'est un tupperware en verre. Et franchement, ils sont super bien. Je l'ai en petit pour faire fondre, enfin, pour faire décongeler mes myrtilles congelées. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en prendre un peu plus grand. Il est vraiment bien, en plus, il se ferme bien. C'est pas comme ceux de Ikea, vous savez, avec le socle en bambou, là, qui se fissure et qui s'ouvre. Oh là là. J'avais de la bouffe de partout dans mon sac parce que j'avais pris un tupperware Ikea. C'était une catastrophe. Du coup, ça c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas cher. C'était 1,99€. Hein, c'est le prix du couvercle à Ikea. Donc vraiment, ça c'est super pratique. Donc il y a plusieurs tailles, 38 centilitres, 82, 122, 197. Moi j'ai le 38 et le 82. Je pense en acheter un peu plus des comme ça parce qu'ils sont vraiment plutôt
Pas mal. Ensuite, j'ai pris ça. C'est un moule à cake que j'utilise vraiment fréquemment pour faire mes gâteaux à la banane, etc. Et là, par contre, il est en train de décéder. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il a rouillé. Enfin, c'est pas de la très bonne qualité. J'avais fait, en fait, tremper dans l'évier. Il a rouillé. Enfin, je pensais pas qu'il allait rouiller aussi vite. Que voilà, j'ai repris celui-là parce qu'il est vraiment bien au niveau de la longueur et le contenant. Je pense que ça doit être ça, le contenant. Enfin... Bref, j'aime beaucoup ce moule. Même s'il est un peu galère à nettoyer, etc. Attendez, bougez pas, j'arrive. 3,49€. T'es pas donné, hein, mais t'es vachement bien. Ensuite, ah, j'ai trouvé ça hyper bien. Parce que ma soeur, elle l'a. Et je trouve ça trop, trop bien. Ça, en fait, c'est des petites lingettes que tu mets dans ta main. Et après, tu mets de l'eau. Tu fais comme ça, ça te fait du savon, ça te lave les mains. Je trouvais ça génial. Ça coûtait 1€. Moi, j'aime trop les trucs comme ça. Vous savez, ces trucs de randonnée, des machins, etc. Et j'avais trop envie de le tester parce que j'aime trop et c'est au concombre. Voilà, c'est vraiment des conneries, mais j'aime trop. Donc ça, je vais le mettre dans mon sac à main. Ensuite, j'ai trouvé ça. Mais maman, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est un rasoir de voyage. Ça se présente comme ceci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. En fait, c'est un tout petit rasoir. Il est vraiment trop chaud, donc je pense qu'on peut changer la tête. Ouais, c'est ça. Tu peux l'emporter un peu partout. Au moins, t'as la protection. Vous savez, t'as le cache là. Et c'est vachement bien. Alors, ça, c'était combien? Je sais pas du tout, du tout, du tout. Ah oui, les masques feuilles, c'est 79 centimes. Hein. Putain, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, ça m'a coûté 1€. Vraiment, c'est vraiment pas cher cette merde. Ensuite, là, j'ai fait une razzia. Mais quand je vous dis une razzia, c'est genre une razzia des masques. Genre, j'hallucine. Genre j'ai pris tout ça de masques, j'ai pété un câble. Alors j'ai pris des masques pour le nez parce que j'en avais plus. Voilà, c'était à chaque fois si les masques sont de moins d'un euro. Donc j'ai pris aussi des Charlotte Air Cap là pour le traitement pour les cheveux. Donc en gros comment ça se passe? Tu mets le sachet dans de l'eau chaude pendant quelques instants, tu masses le masque sur tes cheveux semi-mouillé, tu appliques le cap on dit air là, tu attends 30 minutes et tu rinces avec un shampoing avec de l'eau chaude. Franchement c'est super bien. Enfin moi j'aime trop ce genre de choses, au moins ça dure 30 minutes, c'est pas les trucs qui durent une éternité pendant la nuit et tout. Après je pense que tu peux mettre la nuit mais au moins ça dure 30 minutes, c'est bon. Donc je l'ai pris à l'argan, je l'ai pris à coconut et je l'ai pris aussi à la kératine. Donc voilà, c'était 1€ je crois ça. Ensuite j'ai pris des foot masks, toujours moins d'1€, alors je sais pas du tout ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup moi les foot masks, la dernière fois que j'en ai mis un c'était ceux de chez Sephora. Ils étaient vachement bien, Prince il fait des conneries, Prince, c'est rien, c'est un sac. Il veut se mettre dans le sac. Donc voilà, c'est des foot masques comme ceci. C'était à l'avocat. J'en ai pris 3 comme ça. Et j'en ai pris aussi à la lavande. 2. 2 comme ça. Voilà. J'ai pris là les masques pour les lèvres. C'est un peu plus d'1€. Mais ils sont vraiment trop trop bien. Si vous cherchez des bons masques pour les lèvres, n'hésitez pas. C'est vraiment très très bien, donc j'en ai pris quand même pas mal. Ça, même pour offrir et tout, à des cadeaux d'anniversaire, des conneries et tout, franchement, c'est super bien. Et j'ai pris aussi des masques pour le dessous des yeux, j'en avais. Check it. Ouais, j'ai pris des twisters pour Birdie, alors je sais pas du tout si c'est bon. C'est 68% de chicken et 20% de fish. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors j'espère qu'elle va le digérer. On verra ça ce soir. Ticket. Ah oui, t'es contente. Maman, elle a enfin acheté des gourmandises à Action. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais à Action, Birdie, elle fouille dans le sac pour voir si elle a une gourmandise. À chaque fois, je vous jure. Et donc là, bah, elle est contente. Regardez-moi sa tête là. Oui, t'es contente. Bon, moi, je vais devoir y aller. Il est 11h21, j'ai cours à 12h30. Donc je vais vous laisser là. Hein, et je vais ranger vite fait tout ça. Je vais essayer de vous poster la vidéo assez rapidement. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, ce haul Action. J'en ai eu, je vous ai pas dit, pour 43,52€. Donc voilà, je suis assez contente de mes petits achats, mes petites trouvailles. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.